Vous êtes à l'écoute d'Europe 1, rien ne s'oppose à midi, touche à sa fin. Reste cette question incontournable, qu'est-ce qu'on regarde à la télé ce soir, Eva? Et c'est pas ce soir en fait qu'on va regarder quelque chose. Non, parce qu'en juin 98, la chaîne HBO diffuse la première saison... diffuse d'abord en juin. Diffuse la première saison d'une série qui comptera au total 6 saisons, générique. Thé ou café? Non, une série. Sex and the City. Mais je suis passé complètement à côté. La Sex série and the a 20 City. Ans, 20 ans déjà. Alors Grégoire avait un an, je suis désolée. Il existe. Oh la vache, je m'en vais. Il existe d'ailleurs deux ans pour la Coupe du Monde. Il existe d'ailleurs deux génériques, l'un dans lequel apparaissait le World Trade Center et puis un post-septembre 2001. Cette série, en fait, c'est le quotidien de Kerry, un journaliste incarné par Sarah Jessica Parker, Samantha, businesswoman, Miranda, avocate et Charlotte Galleri. C'est quatre super nanas, trentenaires célibataires dans les rues de New York, perchées sur des stilettos. Adepte des brunchs, adepte des hommes aussi, il n'y a pas un épisode sans une scène de sexe. Si ce soir dans votre dîner en ville, un des convives évoque la série, parce qu'on en parle beaucoup dans les journaux en ce moment, deux anecdotes pour vous qui feront mouche. Sachez que Sarah Jessica Parker disposait d'une clause de non-nudité, même lors des scènes de sexe, ce qui est un peu paradoxal quand on sait que le personnage de Carrie justement était très porté sur le sujet. Et puis la série, vous le savez, a donné lieu à deux films au cinéma. Dans le premier, on y voit notamment Carrie lire un roman qui s'appelle Lettres d'amour de grands hommes. C'est un roman qui n'existait pas en fait, mais face aux demandes répétées des fans de la série, ils ont fini par le publier. C'est un recueil des plus belles lettres d'amour écrites par des hommes et qui est devenu entre-temps un best-seller. Si vous voulez revoir les 6 saisons, les 94 épisodes sont disponibles sur les plateformes de VOD. Ça a pas un peu, ça a bien vieilli ou... Ça a plutôt bien vieilli, sincèrement. Ah, ça a plutôt bien vieilli. Oui, il n'y a pas de téléphone portable en revanche, c'est le petit détail. Les films sont nuls, par contre. La version film n'est pas bonne. Ah oui, non, les films étaient moins bien, je crois. Merci beaucoup, Eva.